Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en compagnie de Vanessa Wilmoin de chez Groupe Seb, dont ces deux marques font partie, Calor et Rowenta, pour une vidéo très importante. On parle de deux marques, Rowenta et Calor, et le titre principal, ne pas détartrer votre centrale vapeur. Ne pas en tout cas utiliser de détartrant. Et pas de vinaigre. Voilà, c'est important, car ça peut abîmer les centrales. Absolument. Vanessa, merci beaucoup tout d'abord d'être là. Tu vas nous expliquer, en ton rôle de responsable, donc service après-vente et service consommateur pour deux pays, la Belgique et le Luxembourg. Donc voilà, avec 9 marques que tu as, tu t'y connais un grand rayon quand même. Tu vas nous expliquer ce qu'il faut faire dès lors pour ne pas mettre de produits détartrants dans sa centrale. Tout d'abord, l'eau. Super importante, l'eau que vous allez utiliser. Donc les produits centrale vapeur, Calor et Rowenta sont conçus pour fonctionner avec de l'eau du robinet non adoucie. Voilà, donc pas d'adoucisseur dans votre centrale, pas d'eau d'adoucisseur dans votre centrale vapeur, car il y a du sel. Voilà. Dans certains, la plupart en tout cas. La plupart, effectivement, généralement utilise, je pense, du sel, et ce sel ne va pas bien avec nos centrales. Ce qui pourrait arriver, c'est d'avoir même des petites coulées brunes qui sortent de votre fer si vous utilisez de l'eau adoucie. Hein. De toute façon, si vous avez des taches brunes ou une coulée, de toute façon, ça sera toujours effectivement un problème d'eau ou effectivement d'entretien. Voilà, petit détail, vous avez normalement sur votre installation, si elle est faite correctement, un robinet d'eau de ville avant votre adoucisseur, ou dans votre maison, vous avez normalement un ou deux robinets. Faites un bidon avec de l'eau de ville, mais autre chose, il n'y a pas que cela. En fait, si vous avez dans votre région une eau qui est très calcaire, alors là, vous allez prendre un petit bidon de 5 litres, vous allez faire la moitié de l'eau de ville non adoucie et vous allez acheter un bidon de 5 litres d'eau déminéralisée non parfumée. Non parfumée, parce qu'on a de plus en plus odeur lavande, odeur sans bon, odeur air pur, rien du tout. Non, okay. C'est un mélange 50-50. Okay. Mais on aura quand même du calcaire dans la centrale. Oui, c'est la raison pour laquelle dans le mélange, on vous recommande d'utiliser de l'eau du robinet. D'accord, et le calcaire est utile pour faire cette fameuse vapeur qui est dans le repassage. Il faut en effet avoir un peu de calcaire pour avoir une belle vapeur lors de l'utilisation. C'est important aussi de signaler ceci, car on a beaucoup de gens en magasin qui reviennent avec ça. Souvent, les gens, quand ils repassent sur leur planche, ils utilisent le bouton vapeur pratiquement appuyé en permanence. La vapeur ne repasse pas. La vapeur, elle aide à rentrer dans le vêtement. Ce qui repasse, c'est la température de la semelle. La vapeur aide à rentrer dedans. Si la vapeur va défroisser le linge, voilà. Et c'est effectivement la chaleur de la semelle qui va donner une belle qualité. Le côté lisse. Si vous utilisez trop de vapeur, tout d'abord, la centrale va évidemment pomper énormément. Surtout, vous allez vous mouiller, voire peut-être même avoir une flaque d'eau dans des cas extrêmes en dessous de votre planche à repasser. Donc la vapeur... Mais surtout, vous n'allez pas voir un beau repassage. Un beau résultat. Non, parce que c'est vraiment en fait la chaleur qui va vraiment donner une belle chemise. Une belle chemise, voilà. Ce qui est important également, si par exemple j'ai un peu de traces de calcaire dans mon réservoir, comment peut-on faire pour entretenir son réservoir? Donc là, on parle bien du réservoir, ce n'est pas la cuve. Important. Ouais. Comment on peut nettoyer alors son réservoir si on a un peu de traces dedans? Si vous avez du calcaire, effectivement, vous le verrez dans votre réservoir et ça va vraiment dire qu'il faut absolument utiliser le mélange 50-50. Et est-ce qu'on peut le nettoyer celui-ci avec un peu de produit détartrant, sans le brancher, le secouer et jeter au robinet, par exemple? On le déconseille malgré tout. On le déconseille. Okay. On le déconseille malgré tout. La deuxième chose à faire, quelle est-elle? Surtout, ne mettez jamais d'additifs. D'accord. Donc, pas de parfum à l'intérieur, pas non plus de petites flapules qui est éventuellement au repassage ou que sais-je. N'utilisez pas non plus l'eau qui vient du sèche-linge, du frigo. En fait, toutes ces eaux, une fois qu'elles vont être chauffées à l'intérieur de la cuve en inox, elles vont faire des dépôts, tout va chauffer, ça va faire des dépôts et c'est à ce moment-là que vous allez justement avoir des taches sur votre linge. Une eau de ville, elle peut pas tacher le linge, c'est pas possible. Donc si à un moment donné vous avez des taches sur votre linge, l'eau de ville est contrôlée également. Hein, donc voilà. Voilà, donc une eau de ville, ou si vous faites le mélange 50% d'eau déminéralisée non parfumée avec l'eau de ville, vous n'aurez jamais de taches sur votre linge. D'accord. Deuxième chose à faire, nettoyer, en tout cas enlever la tige anti-calcaire ou collecteur de calcaire. On parle ici de nouveau, je répète, d'un fer Calor et d'un fer Rowenta, pratiquement tous les modèles maintenant ont ces fameuses tiges. Oui, effectivement, c'est une tige en fait qui va récolter. Donc en fait là, c'est la chaudière
Et dans cette chaudière, c'est là où, en fait, où vous remplissez l'eau dans votre réservoir et il y a une pompe qui va demander à l'eau du réservoir d'aller dans la chaudière et c'est là que va se produire la production de la vapeur. Donc important, c'est là que l'eau est chauffée. Fer éteint, oui, et refroidi. Absolument. Okay. Là, Thomas, ce que tu es en train de faire, effectivement, c'est soit avant une séance de repassage, c'est ce que je conseille, voilà, et une fois par mois. Sachez toutefois que de plus en plus de nos modèles ont un petit témoin anti-calcaire. Donc là, quand vous avez un petit témoin anti-calcaire qui s'allume sur votre panneau de configuration, ça veut dire qu'il est temps effectivement de réaliser un petit rinçage de la cuve dedans et de nettoyer cette tige anti-calcaire. Ceci va être rempli de calcaire. Rempli. Peut-être, c'est un peu exagéré. Si vous avez utilisé le mélange, vous en aurez forcément beaucoup, beaucoup moins. Donc, effectivement, si vous voyez par contre que toute votre tige ici qui est remplie de calcaire, là, vous pouvez tremper la tige uniquement dans de l'eau avec du vinaigre blanc ou du citron aussi. Vous laissez tremper et quand la tige est propre, vous la rincez et vous la remettez dans... Ce qui est important également, quand on a ouvert ceci, que là, je le répète encore une fois, la centrale est bien à froid et débranchée. Les cuves, tu m'as dit, sont en inox. Oui, elles sont justement en inox pour éviter justement que le calcaire n'adhère à l'inox. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que on conseille, c'est que vous secouez votre cuve, vous vous mettez forcément au-dessus de votre robinet. On met un peu d'eau dedans, voilà. Oui, mais vous avez toujours un reste d'eau de toute façon dans la chaudière. Et on la vide manuellement. Et alors, vous la videz manuellement et vous secouez. N'hésitez pas à remettre de nouveau de l'eau du robinet, de resecouer et de rincer. Faire sortir tout cela. Voilà. Là, en faisant ce procédé, vous avez nettoyé la tige anti-calcaire, mais vous avez aussi retiré l'excédent, enfin l'eau que vous aviez dans votre chaudière. Et là, on est sûr que la centrale est vraiment bien rincée. Avec quelle fréquence doit-on faire cela ? Nettoyer la tige et nettoyer sa cuve ? Alors, comme je le disais, la majorité maintenant quand même des centrales vapeur possèdent un témoin qui vous dira quand vous devez procéder au rinçage de la cuve. C'est un petit boulier compteur en fait ceci. Voilà, c'est de la carte électronique en fait qui va à un moment donné, c'est en fonction de l'utilisation de la vapeur justement. Voilà, donc oui, il ne va pas, voilà, il n'a pas un détecteur de calcaire à l'intérieur. Non, pas du tout, l'intérieur. Okay. C'est pas en fait au nombre d'utilisations. Justement, les gens qui vont, comme tu le disais, utiliser énormément de vapeur vont forcément avoir une demande de nettoyage plus fréquent. Et s'il n'y a pas de petit témoin anti-calcaire, faites-le une fois par mois. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos calendriers électroniques pour mettre un petit rappel de ceci. Alors, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'aime le principe parce qu'il y a plus en plus de fer qui l'ont, donc c'est un peu annexe. Vous avez maintenant des enrouleurs automatiques sur votre centrale vapeur. Il est important, primordial, je dirais même obligatoire, de dérouler l'entièreté de votre cordon afin d'éviter ce qu'on appelle techniquement un effet de self, c'est-à-dire une surchauffe de votre câble. Très peu de gens le font, okay, mais c'est indispensable. Avant, il y avait un petit autocollant à l'intérieur. Pensez à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui ont ce genre de centrale ou si vous allez acquérir ce genre de centrale, entre parenthèses, d'excellente centrale, déroulez le cordon lors du fonctionnement. Voilà, petit résumé, de l'eau de qualité 50-50, non adoucie et eau du robinet. Voilà, si on a une eau effectivement qui est assez calcaire, et c'est la majorité. C'est la majorité des cas, nettoyer la tige calcaire et rincer la cuve. Rincer la cuve et... Et c'est parti, n'hésitez pas à consulter votre mode d'emploi également, c'est important. C'était peut-être un peu bateau comme phrase, mais c'est vrai que ça vous aide à garder vos électroménagers plus longtemps à un bon entretien de vos électroménagers, c'est indispensable. Ce sont des électros de qualité, un entretien de qualité est fatalement requis. Merci beaucoup Vanessa. Avec plaisir, d'être venue Thomas. Pour merci cette vidéo aussi consacrée aux centrales vapeur. Ne pas les détartrer, mais un entretien, c'est surtout ça qu'il faut retenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Laissez, si vous le souhaitez, des pouces en l'air, des commentaires. Vous avez des liens dans la description. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.